Qu'est-ce que vous en dites de ce titre déjà, de cette paire? Le titre, autant, j'étais venu pour ça, c'était de gagner, de se garder. Donc, voilà, content de l'avoir fait. J'ai terminé là-dessus, c'est bien. Après, chrono, ça va, je pense qu'il y a des imperfections, mais dans l'ensemble, c'est bien, oui. De toute façon, sur le 200, j'ai toujours des meilleures sensations sur le 200 que sur 100. Donc c'est normal que je me sentais mieux. Sur 100 mètres, il est capable de réagir. Après, après, comme je dis, il y a des imperfections, mais dans l'ensemble, faire ce temps-là dans des conditions où. Il y a toujours la capacité. Comparé au métier d'Areva où je sortais de virage, je sors tout seul. Plus profondément, le contenu. C'est plus compliqué, donc j'ai fait un bon chrono, mais finalement c'est pas trop mal quoi. Carcaras disait à la Spock, vous étiez tué. Comment vous sentez-vous physiquement? Forcément, on est forcément fatigué quand on enchaîne des courses tous les jours pendant 3 jours d'affilée. C'est sûr que c'est difficile d'enchaîner, c'est toujours quelque chose de difficile. Donc c'est normal que je sorte un peu cramé après ce championnat. C'est pas normal. Après, il y aura toujours des concurrents à une de départ dans la finale de 200 mètres. Donc, il n'y avait pas que lui. Donc, il faudra quand même courir et quand même à fond, faire mieux que du bon de la saison. Je vais plus aller là, quoi. Après, il s'en vient. Il dit qu'il a fait confiance à une personne et que, bon, visiblement, sa confiance a été trahie. C'est sa première défense. Moi, je. J'ai un.